Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée avec, qui va être tournée un petit peu différemment, tout simplement parce qu'on est en effectif réduit, vous allez très vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve au centre Athénas, qui est un centre animalier vraiment dans le centre de la France aussi, c'est à 1h30 de Lyon, là on a pris la voiture pour y aller. C'est un centre en fait qui récupère les animaux sauvages blessés, qui s'en occupe et qui les relâche. Vous savez qu'il y a énormément d'animaux blessés à cause de l'homme en fait, que ce soit par des accidents de voiture, que ce soit par des pièges, la chasse, etc. Et donc en fait c'est un centre qui s'occupe des animaux, qui les récupère, qui les soigne et qui les relâche dans la nature. Donc aujourd'hui on va passer une journée avec eux dans leur quotidien, voir comment ça se passe, comment est-ce qu'ils soignent les animaux, dans quelles conditions. Vous savez que moi la cause animale c'est quelque chose qui est très important, qui me touche beaucoup, et d'ores et déjà dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de leur association si vous avez envie de les soutenir financièrement, de leur faire un don. En tout cas, c'est parti, on va aller les rencontrer. Il est 9h30 du matin. C'est parti, je vous emmène avec nous. Ça risque d'être très intéressant. Apparemment, on va potentiellement soigner des gros chats. Ça va être très mignon. Ouais, il y a Camille aussi, donc il sera là pour m'aider à filmer. Et ça va être très mignon. Ça va être sympa. On va faire un petit tour peut-être, puis on verra comment s'organise la journée. Donc là, vous allez être confronté à toute l'équipe et accompagner tout le monde dans les soins. Trop bien. Donc, du coup, le centre, c'est 60 mètres carrés. C'est vraiment très petit. Qui est à la fois l'accueil des animaux, la gestion du standard, donc, pour toute la médiation faune sauvage, les animaux qui ont besoin de soins, la nurserie, et après on a les installations à l'extérieur quand les animaux n'ont plus besoin de soins communs. Donc ça là c'est 60 mètres carrés où vous êtes tous, toute la journée. Exactement. Ok, effectivement, c'est petit. C'est minuscule. Alors là on a la nurserie et la réserve. On trouve en fait ici, on a à la fois le linge propre, voilà. En fait ça fait vraiment tout cette pièce, c'est réserve stock, d'accord, alimentation, produits médicaux, et on a installé un plan pour la nurserie, les petits. Et c'est quoi là, quand tu dis nurserie, c'est vraiment les bébés animaux que vous récupérez, qu'on vous amène ou que vous trouvez? C'est toujours des particuliers qui nous amènent les animaux. D'accord, ok. En fait, il faut nous voir comme les urgences. Ouais. Donc on n'est pas un service d'ambulance, on est vraiment les urgences et les médecins qui sont sur place dans les urgences. Et c'est les bénévoles qui font les navettes. D'accord. Et les particuliers qui nous appellent quand ils trouvent un animal. Okay. Donc en gros, le particulier appelle parce qu'il trouve un animal en danger, il se dit mince, qu'est-ce que je peux faire, il faut que je l'aide. Il nous appelle, on donne les premiers conseils, donc stabilisez-le, placez-le au calme dans un carton, laissez-le vraiment le plus tranquille possible parce qu'il a peur de votre présence. Ensuite, on appelle un bénévole, le bénévole rappelle le particulier pour convenir d'un rendez-vous. Mmh. Une fois qu'il a l'animal, il l'apporte au centre. D'accord, okay. Et nous, on gère ses soins, ses nourrissages, la mise au chaud, etc. Ensuite, et donc là, en nurserie. Là, en nurserie, on a un petit merle. C'est arrivé. Ouais. Rondelle. Oh. Ok. Oui, en fait, lui, il a heurté une vitre. Oh, ce non. qui est quand même souvent ce qui leur arrive à ces oiseaux de petite taille. Et du coup, il a une grosse migraine, quoi, en gros. Ok. Donc il a besoin de beaucoup de repos. C'est pour ça qu'on conseille toujours aux bénévoles et aux particuliers de mettre dans un carton calme. Mmh. Parce qu'en fait, pour eux, c'est comme la nuit. Nous, quand on a une grosse migraine, on a besoin d'être dans notre chambre, dans le noir, le plus au calme possible. Voilà, c'est l'idée, en fait. À partir de quand vous estimez que vous pouvez les relâcher? Alors, le relâcher, on l'estime quand l'animal est capable de se nourrir tout seul. Ouais. Et s'il est blessé, quand il est capable de remobiliser le bras qu'il avait blessé, l'aile, que ses plumes ont repoussé. D'accord. Ou qu'il est capable de vraiment se tenir très bien vigilant. Ensuite, on fait des tests pour savoir s'il est capable de voler vraiment. D'accord. Et on ne le relâche qu'à ce moment-là. Ok. Et toujours on le relâche le plus loin possible des habitations humaines. Ouais, bah oui, bien sûr. Mmh. Petit hérisson. Ah oui, oui. Ah, ça, c'est très mignon. Donc, les matins, on les pèse. Ah, vous ils sont ici. Donc, c'est deux petits hérissons qui ont été retrouvés. Et que les gens vous ont ramenés alors. Ouais, c'est ça. Donc, tous les jours, ils sont pesés, ils sont nourris. Ok. Et on remet au point. Ah oui, on repasse trois fois par jour. D'accord. Pour remettre de la nourriture qui s'est toujours à manger et du coup avoir une prise constante sur plusieurs jours.
là, c'est la salle de convalescence. Alors, en ce moment, tous les jours, on change la litière, on fait les soins d'entretien sur les animaux, et puis donc le nourrissage. Donc, c'est des oiseaux ou des petits mammifères qui ont été blessés et qui restent là quelques jours avant d'être passés dans des enclos extérieurs ou dans des volières. Alors, c'est un jeune pigeon ramier. Ah oui. Par exemple, un petit faucon cresserelle. Oula, ah oui. Ah oui, d'accord, il a tout peur, le pauvre. Ah oui, alors en fait, on les garde ici, un peu confinés. C'est un moyen pour eux de ne pas être trop stressés. Ah oui, d'accord. Et puis voilà, buse variable ici. Un petit peu plus grosse, quand même. Donc elle a l'aile immobilisée, elle a un bandage sur l'aile. Un peu plus grosse, mais elle s'est fait mal à l'aile, en fait. Mm-hmm. Ok. Et à partir de quand, vous savez... C'est une luxation de l'aile, donc ça c'est sa fiche de soins. D'accord. Tous les jours on renseigne la fiche de soins. En bichette. Donc elle attend d'aller mieux avant que vous puissiez la relâcher, quoi. En fait, oui, c'est ça. Une luxation, c'est environ 10-15 jours de soins, d'immobilisation, et ensuite elle va passer en volière. La pauvre, elle a trop peur de moi. Oh mon dieu. Petit écureuil. Alors, ici, tout à l'heure, elle va faire un... Parce que là, elle va vous expliquer que c'est un petit... L'écureuil, en fait, on l'a eu très jeune et c'est des faire élever par une seule personne. D'accord. Pour éviter que ça familiarise avec l'ensemble du genre. Donc les tortues d'Hermann, c'est très souvent du ramassage illégal ou de la détention illégale, on en récupère beaucoup, beaucoup. Des petites petites. Vous en avez fait quoi les autres que vous avez vues? Il y en a en extérieur. Ah, en extérieur. Ils sont en extérieur. Si tu peux nous expliquer du coup les animaux pièces à conviction. En fait, c'est des animaux pour lesquels on est nommé gardien, c'est-à-dire que dans le cadre d'une procédure, les autorités judiciaires nous les confient et dans l'attente du jugement. Donc, c'est des animaux qui sont couverts par le secret de l'instruction. On ne peut pas filmer, on ne peut pas communiquer dessus. Ok. Voilà. Enfin, petit, je sais pas s'il est petit, un chamois qui est en train d'arriver, on va aller voir. Un chamois ? Sérieux ? Ouais. Mais non. Si. Donc là, c'est quelqu'un qui l'a trouvé sur la route. Oui, il est accidenté, je sais pas du tout ce qu'il a, on va voir ça. Ah, et donc là, ok. Et ça arrive comme ça dans la journée, on vous appelle, on vous dit bon là, on a trouvé. Exactement, ça. Exactement, c'est des particuliers, des gens qui trouvent un animal, alors ça peut être un tout petit oiseau ou un plus gros. Ouais, parce qu'un chamois. C'est un peu plus conséquent. Un chamois, c'est quand même plus gros, quoi. Ok. Blessure à la patte, ouais. Au niveau de l'articulation. Bonjour. Il se tient quand même, il a l'air un petit peu maigre quand même. Oui. Il est maigre. Petit bébé. Ah, je m'en fous, t'as sauvé. On a des super grands doigts à faire. Ça, c'est pas grand chose. Après, il a pu dérocher, hein, parce que ça arrive de temps en temps, des jeunes qui tombent d'une falaise, puis après... On va regarder là-bas. Là. Ça devrait le faire. Il se tenait debout quand vous l'avez... Non, il était... Il était par terre. Et quand je l'ai touché, il a grogné un petit coup. Je me suis dit, oh, ben, il est blessé, ou voilà, quoi, j'ai dû lui faire du mal. Puis en fait, après, je l'ai pris, puis... D'accord. Non, il est tranquille. Bon. Oh, ça mord pas les chamois. Ça mord pas les chamois. J'ai vraiment peur qu'il y passe. C'est vous, j'ai eu au téléphone. Oui, c'est moi. Il m'a dit qu'il était cardiaque, j'ai dit pourvu qu'on arrive. Ah, non, c'est plutôt. Enfin, voilà, c'est chevreuil. Les chamois, c'est plus robuste quand même. Bon, ça va alors. On a croisé un chasseur sur la route, on ne lui a pas laissé. C'est garé à côté de nous. Je suis sûr qu'il était plein de bonnes intentions. Vous en recevez souvent des chamois ? Pas très souvent, non. Parce que c'est un animal qui vit plutôt en forêt ou dans les rochers et qui est plutôt robuste. Donc c'est assez rare qu'il y ait des accidents. Ok.
Joséphine, est-ce que tu as l'emplacement exact où ils ont trouvé? Entre Baume-les-Messieurs et la cascade des Tufs. Ouais, c'est 3 km. Il faudrait les... rappeler pour avoir... Ouais, pour avoir une localisation un petit peu plus précise. Ça marche. Parce qu'on va certainement... on va certainement le remettre assez rapidement sur place. Je sais, c'est juste une petite plaie d'abrasion, c'est rien. Et puis sinon... là, il n'y a pas de diarrhée, Il y a un petit peu sommeil, on va mettre ce petit corne qui commence à sortir. On va le remettre assez rapidement vers sa mère en fait. On va lui faire des anti-inflammatoires. Et la mère sera capable de le retrouver? Bah, dans le secteur là-bas, ils vivent en arbre. Et tu sais qu'il y a l'odeur des humains dessus, ça... Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Non, non, ça fait rien du tout. Non, t'inquiète, non, c'est bon. En fait, son odeur à lui est beaucoup plus forte que celle des humains. Je ne fais pas de dessin. Non, ça n'a pas d'incidence et en fait, ils se reconnaissent très bien entre eux, malgré le fait qu'on les ait touchés. Non, non, bien, si tu veux. Tu prends juste les pattes avant, tu les gardes pliées, on va essayer de peser comme ça. Hop. Il a l'air tout, tout petit, quoi. 7,670 kg. Oh, top petit. Oh là là, avec ses petites cornes dans l'enfant. C'est le poids de mon chien, ouais. J'ai une zone des boulis, c'est une zone qu'on connaît bien. Où il y a un dénivelé de 100 mètres, okay. Mais c'est des petits morceaux de falaise et puis surtout des éboulis. Et il a dû dérocher, c'est-à-dire retomber. Et il est commotionné, mais il n'est pas sérieusement blessé. Ouais, okay. Donc on va le garder sans doute un jour pour qu'il se remette. On va le déchoquer et puis on va le remettre sur site où il va retrouver sa mère. L'objectif, ce n'est pas de stigmatiser tous les chasseurs, mais c'est de dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Et le braconnage de lynx, ce n'est pas bien. Mm. Il y a, voilà, c'est juste ça. Et, compte tenu de son niveau d'effectif, on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas se taire. L'an dernier, en 2020, au moins 2 individus sur 120 ont été braconnés, et c'est pas possible. Et juste pour le simple plaisir de la chasse, quoi, pas pour... C'est même pire que ça, ce sont des gens qui supportent pas l'idée de la concurrence avec un animal sauvage. Ah. Le lynx, il a besoin de manger des proies pour survivre. Les chasseurs n'en ont pas besoin, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Donc ça les énerve que les lynx se chassent, donc ils les chassent eux. Voilà, exactement. Sur sa terrasse, ouais. Sur sa terrasse, il a pas fait d'image jusque-là? Non, justement, c'est pour ça, il a dit je vais poser une caméra. Il m'a dit je trouve ça bizarre, il en avait vu dans le coin, mais il trouve ça bizarre que ce soit si proche de l'homme. Bah oui, c'est bizarre, il avait raison. Donc, du coup, je vais le rappeler quand même, je vais lui dire pas de réseaux sociaux, pas de publicité. Parce que c'est ce qui se passe quand les gens voient un lynx, ils les montrent sur Instagram par exemple ou... Oui, voilà, sur les réseaux, parce qu'en fait ils sont contents de voir un lynx. Ouais. Et que maintenant ça fait partie du... En fait, c'est de notre mode de vie. Les gens communiquent beaucoup dans les réseaux de tout et de tout de ce qu'ils voient. Et du coup, des fois ça fait un excès de publicité sur des situations où on a besoin d'intervenir avec la discrétion pour pouvoir sauver un animal. Donc, si on peut éviter d'attirer des curieux sur un site, d'accord. C'est mieux. Ok, d'accord. C'est de la routine. C'est un petit peu moins habituel, le petit chamois, mais pour le reste... Tu vois que depuis tout à l'heure, on parle comme s'il n'y avait pas un bébé chamois dans la pièce. Oui, bah, à la place du silo. D'accord. Ah ouais. On va le mettre dehors. Qu'il puisse bouger, qu'il puisse brouter déjà. Et puis, c'est pas la peine de le garder confiné là-dedans. Il a des poils suffisamment épais pour... Qu'elle a eu cette petite chouette là? C'est une luxation des deux épaules. Ah oui. Et elle a un petit œil qui est un petit peu collé, mais ça va. Oh, mais là... Ça va. Elle a bien mangé, donc ça va. Donc là, tu les pèses pour voir s'ils ont repris du poids. C'est ça. Avant de les laisser ensuite repartir, quoi. Exactement.
Les hérissons, vous en trouvez tout le temps, non? C'est super commun. J'ai l'impression que les gens... Ouais, on en a beaucoup. Ouais, c'est ce qu'on reçoit le plus. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que même moi, tu vois, quand je suis sur la route, c'est le premier truc que je vois. C'est ça, en ville. Hein. Et comme ouais. Du coup, voilà, maintenant, ils sont de plus en plus en ville, comme du coup, leur milieu est un peu plus attaqué, ils se rapprochent de plus en plus des habitations. Et comme c'est un petit carnivore qui court pas très vite, ils sont faciles à attraper. Ouais. Et bien souvent, des gens qui les prennent et qui nous appellent par la suite et qui sont pas toujours pris, tu vois, à bon escient. S'ils sont blessés et autres, effectivement, on récupère pour soigner. S'ils sont trop jeunes, c'est pareil. Donc ça, c'est une jeune cigogne. Elle a encore la pointe du bec légèrement noire. C'est une jeune cigogne de l'année et c'est un mâle. Je n'ai jamais vu de cigogne d'aussi près. Ah, je suis... Cacher la tête. Voilà. Ah ouais, donc on va juste, je pense, c'est très joli. C'est vraiment en voie de cicatrisation. On avait creusé un petit peu, gratté un petit peu. Je pense que je vais pas l'arracher. Là. Je vais juste mettre du cotivette. C'est bon. Là, en fait, elle avait une brûlure. Suite à c'était un choc électrique. Hein. Elle avait une brûlure, elle a failli perdre la main. Là, c'est, donc ça, c'est la main d'un oiseau. D'accord. Cette partie-là était en voie de nécrose et là, c'est complètement... guéri. Presque complètement guéri. On a une croûte qui va bientôt tomber. Et on est super, super satisfait. Merci. Parce qu'en général, les chocs électriques, ça laisse très peu de chance aux oiseaux. D'accord. Il y a souvent ouais. vraiment des brûlures très importantes, et là, elle s'en est sortie avec beaucoup de chance. Donc là, du coup, un petit mâle qui arrivait avec une luxation au niveau de l'épaule. D'accord. Donc du coup, il a été en stabilisation d'abord à l'intérieur, ouais. Et là, il marche tout seul, etc. Donc du coup, bah, tous les jours, on nettoie, etc. On lui remet à manger, à boire, mais globalement, il mange tout seul, c'est... Un grand jeune, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la tournée, du coup, on commence toujours, donc on fait ça l'été, c'est deux fois par jour. L'été, c'est deux fois par jour, voilà. Ok. Voilà, parce qu'en fait, il fait super chaud en début de journée, voire, voilà, quand on est dans les volières, il peut monter jusqu'à 35, etc. Ouais. Donc en fait, on fait ça en tout début de journée. Le problème, c'est que derrière, on a des soucis avec la nourriture des nocturnes, parce que du coup, on a des animaux nocturnes, donc ils mangent que la nuit. D'accord. Ce matin, au préalable, on a nourri des éperviers qui sont, en fait, qui mangent des oiseaux qui se nourrissent uniquement d'oiseaux. D'accord. Et en fait, on les nourrit parce qu'ils sont plusieurs. Donc, on les nourrit le matin dès qu'on arrive. Ça évite, en fait, qu'il y ait des mésententes, etc. Donc, d'accord. On les nourrit le matin, on leur met la nourriture et ouais. Comme ça, ils mangent tranquillement dès le matin. Les poussins, on les récupère, en fait, des abattoirs. Des abattoirs. C'est les poussins qui, enfin, les poussins, en fait, qui servent pas, qui sont pas féconds. En fait, en général, c'est des poussins mâles qui servent pas, en fait, pour bah, dans les faire des œufs, quoi. Donc, du coup, ils se reproduisent pas, et donc, du coup, bah, on récupère il les, tue les poussins des abattoirs directement. Okay. Alors, on a juste une frêle là que je vais éventuellement checker après. Donc, du coup, bah, là, je vais nourrir, je vais faire en sorte de mettre les poussins le plus loin possible pour qu'elles aient accès à la nourriture. Là, c'est des jeunes qui sont en émancipation. Okay. En fait, quand elles sont en état de voler, ouais. On les met au taquet, okay. Elles mangent, elles ont de la nourriture. Et quand elles veulent, elles peuvent ressortir. Donc elles peuvent aller chercher la nourriture et se faire leur terrain de chasse. Mais elles ont toujours de la nourriture au taquet, donc elles peuvent revenir dans un endroit safe. C'est d'accord. Pour ça qu'on fait vraiment le moins de bruit possible au niveau des taquets. Parce qu'en fait, c'est un endroit qui doit vraiment rester sécuritaire pour eux. Alors, je vais juste aller checker celle-là. C'est une jeune qui est un peu maigre, ça arrive qu'on ait des jeunes qui n'arrivent pas à se nourrir en fait au taquet ou qui se nourrissent pas comme il faut. Du coup c'est pour ça qu'on vérifie toujours quand on va retourner si on n'a pas des animaux mouillés ou qui soient maigres, etc. Là elle est un peu maigre, donc du coup je vais la redescendre en bas, on va la checker, voir son état général et voir si on la remet au taquet ou si on la garde en soin quelques jours pour s'assurer qu'elle mange. Pour qu'elle reprenne en du fait, foie. Pour qu'elle reprenne du foie. Avant que tu la remettes. Parce que du coup un animal qui a pas de. Qui vit, enfin qui évolue carencé, c'est un animal qui après a des carences au niveau des plumes, des os, etc. Et en fait ça peut pas voler. Donc du coup il faut vraiment qu'on les relâche quand on qu'on soit sûr qu'il y a un embonpoint correct, etc. qu'elle se nourrisse par elle-même. Bête de l'oura, elle me saisit, si tu veux regarder. Je peux regarder, mais pas filmer. Voilà.
vu ça. J'en ai jamais vu. Mais en fait, ça vient des pays nordiques. Ça vient des pays nordiques. Pas du tout. Il y en a pas en fait. C'est pas du tout originaire d'Europe. Non. Mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? C'est incroyable. Je n'ai jamais vu des oiseaux comme ça. T'en as déjà vu? Des zoos, t'en fais et tout. Même dans les zoos, t'en vois pas. Ça, c'est. C'est des espèces. J'ai pas mis les pieds dans un zoo depuis. Ouais, je m'en doute. Et l'idée, ce serait de les relâcher dans un pays d'où elles sont originaires, quoi. En fait, c'est comme ça avec tous les oiseaux, peu importe que ce soit un pinson ou un grand oiseau ou un aigle, peu importe, on les relâche toujours dans un milieu qui est approprié pour eux, même si c'est pas le milieu d'où ils sont originaires. Par exemple, je sais pas, quand on a un pinson qui fait 300 km pour arriver là, on n'a pas besoin d'aller le relâcher sur site. On relâche toujours dans un milieu qui est approprié où on sait qu'ils sont bien. Oui. Dans leur habitat. Naturel, ouais. Avec des congénères ou sans congénères. Ok. En fonction de l'espèce et de leurs caractéristiques. Ah oui, c'est de la nourriture pour eux. Ils sont pas arrivés là par hasard. Oh la tête qu'ils font. C'est pas pour rire. Hein. Ça dégage quoi. Casse-toi. C'est ça. Il va mettre un coup de tête. Non. Il est trop chaud. T'as pas vu la tête qu'il a? J'enlève l'autre aussi. Ouais, s'il te plaît. Ah ouais, c'est super joli. Donc là, concrètement, elle pourrait revoler dans quelques... Alors, ça prendra encore un petit peu de temps. Là, c'est pas très joli, a priori, comme ça, mais en fait, c'est en très bonne voie de cicatrisation. D'accord. Donc, on est content. Parce qu'en fait, quand elles se prennent dans des barbelés, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a beaucoup de nécrose, il y a de la peau qui se dégrade et qui disparaît. Et il faut beaucoup de temps pour qu'elle repousse. Elle peut pas bouger. En fait, elle est tétanisée, elle a très peur. Bah oui. Et puis quand on la tient comme ça, elle ne peut pas bouger. Mais en fait, elle est complètement inhibée en fait par notre présence. Et en fait, tout à l'heure, on verra même des... Voilà, là, elle me pince quand même. Mais on verra qu'il y a des oiseaux, comme les milans par exemple. Ils ont tellement peur qu'ils restent complètement... On a l'impression qu'ils sont morts. Donc là, c'est une tournade qui va... activer encore plus vite la cicatrisation. On voit que c'est bien rose autour, bien joli. Ouais. Ah oui, je comprends. Oui, ok. On avait un projet de construction d'une nouvelle infirmerie. C'est un petit peu compliqué pour des raisons d'urbanisme. Alors en fait, on va rénover, refaire celle-ci et l'agrandir. Ça, le coût est sensiblement le même parce qu'on est obligé de repartir quasiment des fondations compte tenu du fait que c'est un vieux bâtiment. Okay. C'est de l'ordre de 150 000 euros. Pour refaire toute cette partie. Qui sont nécessaires, oui. Ok. Pour tout ça, ouais. Et là, vous êtes à combien? Là, on est pour l'instant à la moitié. Ok. On attend la réponse d'un partenaire privé qui doit nous fournir du matériel, mais pour l'instant, c'est encore pas acquis. On a une réunion qui doit se tenir, une réunion en visio qui doit se tenir la semaine prochaine. Pour l'instant, donc, on a que la moitié de. Que la moitié. Ouais. Compte tenu de ce qui a déjà été collecté via Qu'est-ce qui se manque. Donc, les 30 000, pas le deuxième palier. Voilà. Donc là, celui-là, vous allez le relâcher? Oui, celui-ci, il est là déjà depuis un certain temps. Et donc, il a... Ah oui, mais c'est... Une reprise. Oui, il est bon, bien. C'est lui, je le reconnais. Bah, en fait, ça va, oui, c'est tout en ordre. Le cal, on ne le sent même pas. Il s'est affiné. Donc ça, c'est un Milan Royal. C'est un oiseau qui est charognard. C'est un peu un éboueur des campagnes. Il mange les petits animaux morts, etc. Et là, il va, pour lui, c'est l'heure du départ en migration. Il va passer l'hiver probablement dans le sud de la France ou en Espagne. D'accord. Et donc maintenant, il est complètement rétabli. C'est un bel oiseau qui a une grande envergure. On le reconnaît à sa queue qui est légèrement fourchue et chancrée. Il est beau, hein. Voilà, ouais. Et donc lui, c'est typiquement l'oiseau qui est
qui a très très peur, complètement inhibé. Ouais, il fait la bouche. Oh, il est super beau. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Et alors, j'imagine quand il a les deux ailes déployées, il doit être. Il fait à peu près 1m20 d'envergure. Ah ouais, il est grand. Un grand oiseau. Le champ là-bas, bon, alors, ouais. Tu es prête? Incroyable, j'ai le privilège de relâcher ce Milan, alors que je ne l'ai pas soigné, mais c'est un peu la consécration pour les soigneurs de s'occuper des animaux, puis après de les relâcher dans la nature. Et là, c'est moi qui vais le faire. Moi, je le tiens comme ça. Ah, comme ça. Ah oui, mal. Voilà, là, t'es parfaite. Et au niveau de tes pattes, c'est parfait aussi. Ensuite, une main sur ses ailes. Super. Il se peut que je pleure. Et là, je dois faire quoi? Alors, par la suite, du coup, quand tout le monde sera prêt aussi, tu vas te mettre juste un poil devant toi. Tu vas dans un premier temps enlever la main qui est sur les ailes, okay, et écarter un tout petit peu les doigts. Et il va s'envoler. Il va s'envoler. Et si jamais il ne s'envole pas, tu vas essayer de bouger un tout petit peu tes bouger un tout petit peu tes doigts comme s'il était sur une branche. Ok. Vous me dites, hein. Vous me dites quand je le lâche, hein. C'est bon? C'est tout bon? Vas-y. Ok. Petite impulsion avec la main. Ah ben ça y est. Bye bye. Il vole parfaitement bien pour un oiseau qui avait une aile cassée. Ah, il avait une aile cassée. Ouais. Voilà, il est parti sans vous dire au revoir. Là. Ciao. C'est vrai, ouais, c'est dit vraiment. Ciao les nazes. Allez, salut. C'est cool, mais bye. Après, il a une... Voilà, il se fait châtier de m'avoir laissé faire ça, hein. Franchement, trop chouette. Avec plaisir, je te redonne les gants. Trop chouette. Et vous en relâchez tous les jours ou... Ça dépend des périodes. Quand c'est des jeunes, du coup, il y a plus souvent d'en lâcher. C'est souvent des jeunes qui arrivent un peu maigres, qui font taper un petit peu et c'est parti. Soit au taquet aussi, comme vous avez vu. Donc ça là, compte quand même comme seul, des relâchés. Ouais. Ouais, ouais. Et après, du coup, ça va être le temps des soins. Souvent, un oiseau qui arrive avec un soin, c'est une dizaine de jours d'immobilisation. Un mois en volière, le temps de se... rééduquer, de se remuscler, c'est reparti. Ah ouais, donc vous en faites quand même souvent. C'est ça. Je pense que l'envie va passer rapidement. Parce qu'elle pince. T'es jolie, mais t'es méchante. Elle s'est en fait choper. Ouais, je me suis fait choper. Tu t'es fait choper. Ah ouais. Pourtant, tu es bien mignonne, mais tu es méchante, c'est ça? Ah. Elle a peur. Je te ferai pas de câlin alors, tant pis. Oh non, mais. C'était vraiment super fausse. Oui, oh bah c'est plus la peine. C'est hein. Plus la peine. Ils ont fini leur croissance squelettique. Donc là, tu vas la baguer. Oui, j'ai mis une bague qui va permettre. Donc c'est la GW0240. Et là, vous allez la mettre dans la volière, c'est ça? Alors non, pas dans une volière. Elle va aller dans un nichoir ouvert où elle va petit à petit s'émanciper parce qu'elle reste dépendante de la nourriture pendant quelques semaines, et puis ensuite elle aura fait tous les apprentissages nécessaires pour être autonome. Lâche-moi, c'est ça qu'elle est en train de faire. Ah, mais il y en a deux. Allez, le cadeau. C'était le petit cadeau. Les deux Yann ont fait ça. Je suis pas très éloigné, très, très, très près. Pire. Je vais chercher l'autre bague. Ah bah, voilà. Ta bouche et ta jambe. Ouais, t'as eu tellement chaud. Dans mon pantalon, on est plus après. Hein. Il lâche pas. Il va lécher la table. Ouais, c'est clair, il va lécher la table. Du coup, là, il n'y a plus qu'à un biberon par jour. Quand on l'a reçu, il en prenait 5 biberons par jour. 5 comme ça?
Bah, ils prenaient pas forcément autant, mais ils me donnaient 5 dépôts du coup. Ah ouais, crois. D'accord. C'est mignon, les furets quand même. C'était il y a combien de temps que tu as récupéré ? C'était il y a 20 jours. Donc voilà, vous avez déjà vu beaucoup de choses. Il y a encore pas mal de choses à voir qu'on verra cet après-midi. On fait une petite pause ici pour manger avec l'équipe. Et ensuite, on revient au centre pour la suite et pour aller voir les chats forestiers et bien sûr les lynx, puisqu'ils en ont 4 qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. C'est super excitant. Voilà. Non mais c'est pas possible. Si, regarde la taille du... Mais vous entendez ou pas le... Mais en fait on dirait un mec bourré. Mais oui, on dirait un mec bourré. Alors, donc oui, comme je sais pas si j'ai dit. En fait, là, c'est tout, c'est un bip. C'est ça, t'as un bip, tes chaussures, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Okay. Et il y en a un à chaque couleur. D'accord. Parfait. Ok. Ça, on est à cause de la chaussure. Ouais. Ok. Ok. Marie, en fait, juste à moi, du coup, on a un petit lynx qu'on a récupéré. Et il y a 3 petits chatons qui sont en cours de quarantaine. Donc, on termine leur quarantaine, on va pouvoir passer dans un box plus grand. Donc, plus agréable pour eux. Et un jeune chat qui est accidenté. Donc on va aller les voir, on va faire les soins d'abord du lynx. D'accord. Après on va transporter les 3 petits chats. Quand tu parles des chats, c'est les chats... Les petits chatons en fait, ils sont comme les ça. Ont... Les chats forestiers. Des chats forestiers, oui, pardon. Donc les 3 petits chats forestiers, on va les attraper, on va les mettre dans leur grand box. Et ensuite on s'occupera du dernier chat accidenté. D'accord. Donc à côté, à nouveau, on a un pédiluve et on va parler juste un petit peu moins fort pour pas trop faire peur aux animaux. Tous, à chaque fois qu'ils arrivent, ils sont des... ben voilà, on les entend. Donc dans la première cage en inox, là, on a le jeune lynx qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps. Il a été accidenté par une voiture et du coup, il avait un traumatisme crânien. Et surtout, il était extrêmement maigre. Donc là, il est en train de reprendre un petit peu de vigilance. Vous êtes vraiment des petits sauvages. Ils sont vraiment beaux ceux-là. T'as vu comment ils sont? Ah ouais, ok. C'est un petit box pour eux. Ok, ça c'est un petit box. Ouais. Ok, oui. Okay. C'est du petit chat. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Petit box. Je pense qu'ils vont essayer de sortir. En plus, on laisse leur caisse parce que c'est ce qui porte en dedans. T'as un miroir sans le voisin. Ils connaissent pas le voisin, donc là, ils savent même pas qu'ils sont trois. Alors, ils les connaissent parce qu'ils les ont déjà entendus, parce qu'ils étaient dans le mais là, ils se calculent pas en fait. Ils ont pas vu. Là, ils étaient tellement de nouvelles odeurs. En fait, faut imaginer.
à niveau d'un chat, enfin, les odeurs, elles sont bien plus puissantes que pour nous. Ouais. Donc, il y a tellement de stimuli différents. Ah, ça y est, ils l'ont vu. Ouf. Voilà, c'est toujours pas très commode au début. Oula. Oula. C'est beaucoup de l'intimidation, en fait. Ça va jamais jusqu'au combat, c'est de l'intimidation. Ouais, voilà, il rentre dans la cage et tout, il y va, quoi. Parce qu'il nous entend et il rentre dans une autre tanière. Donc ça, c'est qui et... Alors c'est la femelle, c'est Viri, c'est la femelle qui a des séquelles neurologiques d'un traumatisme crânien. C'est elle qui, en fait, sert de nounou, de coach aux jeunes lynx qu'on est amené à élever. Et elle, du coup, tu peux pas la réintégrer dans... On peut pas la réintégrer parce qu'en fait, disons à un intervalle régulier, elle a des passages à vide, elle s'arrête tout bêtement, elle bug. D'accord. Et ça pourrait être aussi bien au milieu d'une route ou... Oui, donc et du coup, elle serait très exposée à des accidents. Et là, elle fait la sieste. Papi, mamie, non, mais ils ont... Et donc là, c'est des Sibériens. Ouais, ils sont vieux. C'est des individus très déjà... Ils vont rester, ils vont finir à... Ouais, ils ont 19 ans, donc c'est pour eux... Ils ont 19 ans. Ouais. Et c'est quoi la l'espérance de vie? Une vingtaine d'années. Mmh. Donc c'est plus ou moins. Donc déjà, ils ont atteint un optimum, déjà. Ouais, ils sont pépères, quoi. Lui, il a déjà fait deux AVC. Celui du bas ? Et il s'en est complètement remis. C'est le mâle. Et la femelle, ben, elle a eu, il y a un an, une otite qui l'a laissé un petit peu diminuer. Et puis là, elle commence à prendre, à faire un peu de surpoids. C'est, voilà. Ça, c'est incroyable. Ça doit être... Oh, oh regarde, oh, regarde, les grosses pattes. Elle a capté qu'elle allait manger, je pense. Ouais, c'est ce qu'on appelle le foudre. Son petit numéro d'intimidation, parce que c'est fini. Je suis en fond bas. La pauvre, elle était en train de dormir. Elle s'en fout. En fait, elle attend qu'on soit sorti, elle va venir sentir. Elle est assez prévisible. Ça, c'est donc un lynx. Ah oui, mais je vois comment elle marche, qu'elle a des... Oui, elle a la tête un petit peu de travers. Et... En fait, on a l'impression qu'elle a des vertiges. Genre ouais, qu'elle... Des petits troubles de l'équilibre, en fait. Dans quoi tu m'as dit qu'ils étaient tombés? Ils sont tombés dans de la colle. Dans de la colle? En fait, on a une mulante aussi qui a été prise dans un piège à colle. Par exemple, les gens qui mettent des pièges à rats. Ah, c'est... Ah, des pièges à rats. Ouais, ok. Les chauves-souris se prennent dedans. Ah, les chauves-souris aussi. D'autres oiseaux se prennent dedans. On a une chouette à qui on a dû couper des plumes aussi. Parce que du coup, elle a été prise dans le piège, quoi. Ah ouais, ok. Donc elle a du poison dedans, en plus. Ah oui, ok. Donc, du coup, là, c'est la seule qui reste. C'est ça, il est peut-être un peu. Il volait bien hier, donc il faut quand même faire gaffe. Et ça se voit. Ouais, je vais mettre devant. Même le petit. Je peux le montrer si tu veux. On met toujours des gants avec les chauves-souris parce qu'il y en a certaines qui véhiculent la rage. Donc, c'est toujours mieux. Ça va être un peu. Là, 6 mois, c'est bon. Il n'a pas beaucoup mangé. T'as déjà vu une chauve-souris de près? T'as mis en avant le petit masque. Oh non. Mais non. Voilà, le mur. Je sais pas si je trouve ça horriblement moche c'est ou horriblement mignon, je sais. C'est un peu les deux. Bah oui, je
votes pour Mignon. Moi, je vote pour Mignon. Demande à ta communauté. Ok, les amis, est-ce que vous trouvez ça mignon ou terrifiant? Un petit Dracula, quoi. Tu avec ses petites oreilles, ça va. C'est parce qu'il ouvre la bouche, là. Tu fais pas du tout les choses en ton avantage. Pourquoi tu fais ça? Oui, il est mimi. Par contre, j'imaginais ça plus grand. Pourquoi est-ce que j'imaginais ça plus grand? Bah non, en plus, lui, il est assez gros. Je peux te montrer une pipistrelle après. Une pipistrelle, c'est vraiment très petit. Donc celui-là, il est relativement gros pour une espèce de chose. Là, tu le mets dans un petit... Je le mets dans un petit sac, juste le temps, s'il veut bien rentrer, juste le temps de changer un petit peu son intérieur. Non, mais c'est incroyable. De changer la déco. Et ça, on vous l'a ramené ou vous l'avez trouvé? On nous l'a ramené du coup. C'est le monsieur, donc il avait été pris, comme je te disais, dans un piège à colle. Ah oui, c'est ça. Et du coup, ils étaient tout collants. Et c'était eux qui l'avaient posé? C'était les gens qui te l'ont ramené? Mais il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Ah, ils ont dû se sentir un peu mal. Ouais. Bah, c'est pour ça que le gars nous l'a ramené rapidement, quoi. Ouais, il y en avait quatre. Il y en avait quatre à la base. Dans la nature, comme elles sont en soins, les parasites peuvent se développer. Et là, c'est tout simplement à cause de ça. Elle a quelques parasites. Et normalement, pour s'en débarrasser dans la nature, elle va dans l'eau. Donc là, du coup, c'est ça. Je peux même baisser le plus loin possible la tête. Et même si elle met la tête un peu dans l'eau, c'est cool pour elle. Elle est plutôt habituée à être dans les coins d'eau. Donc là, elle doit être contente. Ouais. C'est un serpent qui est souvent vers les points d'eau, qui pêche même parfois. J'adore. J'adore la couleur en fait. Moi, je trouve ça incroyable. Il est presque verte. C'est fou. Quoi? On n'avait jamais fait ça. Vous avez recousu une grenouille, quoi. Ouais. Elle est trop. Et ça cicatrise super bien. Et c'est là. Tu peux me montrer où c'est? Juste ici. Ah oui, d'accord. Oui, ça y est, on voit bien les points. C'est dingue. Oh là là. Non. Donc ça, c'est des tortues, t'as dit quoi, victimes du trafic? Ouais. Hyper victimes du trafic, en fait, c'est des gens qui les détiennent chez eux, qui les produisent, mais elles sont illégales. D'accord, ok. Et après, elles se retrouvent... Et après, ils les vendent, d'accord, ok. Ou alors, ils les lâchent dans la nature. Ouais. Donc là, tu leur fais prendre des petits bains. Elles sont toutes marquées, du coup. Elles ont leur numéro pour qu'on sache. Leur numéro, ouais. Et là, tu vas quoi leur donner à manger? Ouais, en fait, on a une cage là-bas. Mais ça, c'est des bébés comme ça ou ça, c'est d'autres espèces? Non, c'est les mêmes. Enfin, il me semble qu'il y en a, il y a peut-être des tortues grecques, mais en tout cas, c'est des hermanos, les petites. Et ouais. Donc le bain, du coup, ça permet vraiment de les hydrater. Et celle-là, c'est illégal de les avoir. Parce qu'il y a des tortues que tu peux avoir. Il y a des tortues. En fait, c'est celle-ci. Oui. Ah oui, c'est ça. Tu peux en avoir que 6 chez toi. Tu peux en avoir que 6 individus. Et qu'elles soient. Et tu dois être déclaré en préfecture pour les obtenir chez toi. C'est vrai? Mais comment ça se fait? En fait, c'est pour prouver que tu es capable de les détenir parce que il faudrait pas mal les nourrir, etc. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il y a des autorisations partielles. D'accord. Mais au-delà de 6, t'as pas le droit. Au-delà de 6, tu peux pas. Et l'Hermann, c'est une espèce en danger. D'accord. Alors pourquoi est-ce que si c'est en danger, t'as quand même le droit d'en détenir? C'est tout problème avec la réglementation et les gens ont eu tellement chez eux qu'ils ont été obligés d'ouvrir une porte dans la réglementation parce que sinon, il y a tellement de gens qui seraient dans l'illégalité qu'il faudrait aller saisir chez eux. C'était pas jouable. Je vous retrouve quelques jours après la visite du centre Athénas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en fait à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas bien entendu à aller soutenir leur association, leur centre, avec la cagnotte que je vous mettrai dans la barre d'infos si la cause vous a touché, si vous avez envie de faire un petit plus pour la protection de la faune sauvage. Je trouve que c'est hyper important. Et maintenant, si jamais demain vous croisez un animal sauvage blessé sur la route ou pendant une de vos balades, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes dans la région. Ils couvrent plus de 11 régions pour aller leur amener votre animal parce qu'il sera sûrement soigné et ensuite relâché dans la nature. Pour ma part, c'était la première fois que je rencontrais une équipe comme ça. J'ai été hyper touchée de voir à quel point ils aimaient les animaux et à quel point ils avaient à cœur en fait de préserver la faune sauvage. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui sont aussi dévoués à leur cause et je peux vous dire que ça remet vraiment les pieds sur terre et ça fait vraiment du bien à voir. J'espère que ma vidéo aura pu les aider également. J'espère surtout que la prochaine fois que j'y retournerai, leur centre sera plus grand et qu'ils auront plus de place pour accueillir encore plus d'animaux, mais surtout eux en tant que soignants d'avoir plus de confort et plus de place pour soigner correctement les animaux qu'ils récupèrent au quotidien. Normalement cette vidéo était extrêmement mignonne et cute, mais sachez que la réalité c'est pas toujours ça. Les animaux sauvages, autant ils en sauvent beaucoup mais ils en perdent aussi beaucoup chaque année à cause du braconnage, à cause de la chasse ou tout simplement à cause des
accidents qui peuvent survenir à cause de l'humain ou pas forcément. Merci à eux en tout cas de soigner tous ces animaux sauvages qui ne font que renforcer notre biodiversité. C'est vraiment hyper important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort. Regardez la barre d'infos et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.